comme vous le voyez, donc nous avons ramené pour cette première participation d'OCP à Vivatech tout l'univers OCP autour du digital et des nouvelles technologies. Donc il y a un espace dans lequel on commence par présenter un peu la vision et les réalisations du groupe OCP depuis qu'il a lancé sa transformation digitale. Alors dans ce cadre-là, nous avons le plaisir d'avoir amené avec nous trois startups. Nous avons également essayé de mettre en valeur notre dynamique d'entrepreneurship interne qu'on appelle le mouvement. Et puis pour compléter l'écosystème et l'univers OCP, nous avons aussi dans notre stand deux espaces qui sont pour le reste de l'écosystème du groupe. Donc nous avons Teal, qui est notre joint venture avec IBM, qui sont là aussi pour promouvoir le rôle que jouent deux acteurs majeurs, qui sont l'OCP et IBM, permettent de propulser l'innovation et d'exporter notre savoir-faire en matière de digital au reste de l'écosystème marocain et africain. Et donc dans ce sens-là, le groupe mise beaucoup sur une offre d'éducation. Et donc là, nous avons deux espaces, un pour l'Université Mohamed VI Polytechnique et puis nous avons l'école 1337 qui est la fameuse école en rupture de codage que nous avons implémentée. Nous avons plusieurs programmes d'open innovation, mais ici au sein de Vivatech, nous sommes en train de lancer le OCP Data Challenge qui lui ramène des sujets transverses d'un point de vue métier au groupe, donc qui peuvent toucher l'industriel, le commercial, l'agri ou autre, mais qui sont toutes autour de l'utilisation de la donnée. Donc le partenariat avec l'OCP donc, nous a permis de mieux comprendre en fait, les besoins industriels, de notamment mieux comprendre notamment l'adéquation entre la consommation d'énergie et notamment le suivi de la consommation d'énergie en temps réel. Et donc ce partenariat donc, nous a permis vraiment de mieux développer et continuer en fait, à améliorer notre prestation et notre service pour l'amélioration de la productivité pour les industriels. Aujourd'hui, nous sommes dans l'événement Vivatech, dans le stand OCP, accompagné par l'OCP, qui nous soutient dans notre développement pour aller à l'avant et accéder au marché plus large. Voilà. En 2016, notre président directeur général, M. Mustapha Tagab, a invité ses 21 000 collaborateurs à libérer leurs énergies et à exprimer leurs idées. Parmi ces idées, il y a Independence Business Owner, une initiative ou situation, comme on l'appelle dans le cadre du mouvement, que j'ai initié en mai 2017 et qui a pour objectif d'appuyer le petit fermier dans la commercialisation de ses produits et la gestion de son activité d'une manière générale, à travers la mise en place d'une place de marché qui sera renforcée par un réseau d'agents indépendants locaux. L'Université Mohamed VI Polytechnique vient de signer aujourd'hui au Salon Vivatech un partenariat stratégique avec Mass Challenge, qui est un accélérateur de start-up basé aux États-Unis. L'université va pouvoir, à travers cet accord, inscrire ses efforts dans un réseau d'entrepreneuriat et d'innovation mondiale capable de fournir les outils et les moyens nécessaires pour que les entrepreneurs puissent développer leurs projets innovants. Nous sommes ravis de voir que l'OCP, déjà depuis plusieurs années, s'est intéressé à l'innovation. Eh bien, nous faisons tout ça en totale synergie parce que, comme je partageais tout à l'heure avec les équipes, les ponts sont installés pour qu'au niveau du commerce, on puisse travailler ministère du commerce et l'OCP pour accompagner la commercialisation des produits des agriculteurs marocains, mais aussi pour travailler sur l'innovation et faire en sorte que ceux qui intéressent l'OCP puissent, dans une mesure beaucoup plus large, intéresser l'ensemble des opérateurs marocains et l'agence du digital est là pour fédérer tout cela et accompagner l'ensemble des initiatives. Aujourd'hui, au niveau de Vivatech, on voit qu'il y a une participation extrêmement importante du Maroc, que ce soit à travers un stand institutionnel conduit par le ministère en charge du numérique ou que ce soit par le stand de l'OCP. Et je crois que cette présence est significative de toute la place que prend aujourd'hui le digital au Maroc à travers les stratégies qui sont mises en place et à travers toute la dynamique qui est observée, que ce soit en termes de création d'un écosystème favorable à l'entrepreneuriat et aux startups, ou que ce soit à travers toutes les problématiques liées à la formation des ressources humaines ou à l'accélération de la transformation digitale du Maroc. Et je crois qu'il y a là des enjeux essentiels pour le développement et dans
dans le cadre de l'approche nouveau modèle économique et de développement du Maroc auquel Sa Majesté a appelé, je crois que ça peut ouvrir de nouvelles perspectives et ça peut constituer un levier avec lequel on peut justement accélérer, gagner en efficacité, accélérer l'innovation et en même temps permettre l'inclusion d'une plus grande partie de la population dans cette dynamique.